comment pêcher au Nédrig, je vais vous donner toutes les explications, toutes les astuces de pêche dans cette vidéo. Suivez-la jusqu'à la fin parce qu'il y a de très belles images tournées au Québec avec de très très beaux poissons. Avant de commencer la vidéo, je vais vous mettre ici exactement tout le tuto au complet. Vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse dans ce tutoriel. La technique du Nédrig, c'est une technique qui est très utilisée en Amérique du Nord, qui a fait gagner des très grands jeux de concours de pêche. Et c'est une technique que j'ai découvert lors de mon année de pêche au Québec. Et je vais vous présenter toutes les astuces, tous les montages possibles pour cette technique. On va commencer par les leurres. Il existe des leurres en forme de verre. Donc ça ressemble pas à grand chose, mais c'est très très efficace. Donc ça, c'est la première forme, c'est ce qu'on appelle le worm. On a aussi des formes en écrevisse et les formes aussi en espèces de verre avec une petite paddle. Donc c'est les trois grandes formes de leurre qu'on peut utiliser. Les trois sont très efficaces, mais elles ont tout un point commun. Cette partie est très souvent identique à celle-là. C'est un espèce de tube pour pouvoir mettre l'hameçon. Je vais vous présenter les têtes. La première tête principale, c'est les têtes en forme de champignon qu'on appelle tête mushroom. C'est la tête tout simple qu'on va utiliser dans les milieux qui sont propres. Et la deuxième tête, c'est celle que j'utilise dans les montages encombrés. C'est ce qu'on appelle la tête anti-herbe. Donc toutes les deux, ce sont des têtes du Jig Neddy de chez Target Bettler qui sont des très bonnes têtes plombées. Ah bah il était juste devant. Oh non, il était juste devant. Oui, oh, super fiche les amis, super fiche. Yes. Ah, je finis la journée en beauté. Je savais que le Neddy Worm, il allait cartonner. Voilà, fin de journée avec le Neddy Worm. Petit leurre bien sympa. En Nédrig. Et ça a cartonné. Je prends ma tête plombée spéciale champignon, mon Neddy Worm, et puis là c'est parti, je me mets au milieu. Alors je fais bien attention de mettre l'orange de ce côté, parce que j'aime bien avoir l'orange dans le bas. Et là je vais rentrer très doucement. Et l'astuce, c'est qu'arriver à cet endroit-là, alors au moment ici, hein, vous avez la fin des stries, je fais sortir la tête, et là le montage est prêt, le leurre est très bien monté. Et donc toute cette partie-là, elle est très très mobile, et donc au fond de l'eau, en fait, le leurre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être comme ça, et il va taper le fond. Là, je passe au montage anti-herbe, Neddy Worm 2,75 pouces et Jig Neddy anti-herbe. On va commencer par prendre le leurre, on va rentrer de ce côté, je vous dirai l'astuce après. Donc je rentre sur à peu près 1,5 cm, voilà, donc là je vais essayer de vous le montrer correctement. Je viens jusqu'ici. Je tourne légèrement, donc là on voit que la tête est montée, et après je viens positionner le leurre, je mets mon doigt à l'endroit où je vais rentrer, je tourne légèrement le leurre, je tourne légèrement le leurre et je rentre le leurre au milieu, je le fais sortir. Donc là il est monté, et là ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu sur comme ça, et voilà, leurre monté. Donc là c'est un système qui va vous permettre de pêcher dans des milieux encombrés, et on va éviter de perdre nos leurres lors du passage des algues ou de différents éléments. Là, je vais vous laisser avec un magnifique achigan à petite bouche pris au Neddy Worm. Thank you.
encore un beau poisson les amis, beau poisson. Bon les amis, très joli poisson, vraiment un beau poisson au Neddy Worm, superbe. Allez, tu vas repartir l'eau mon petit. Première astuce de montage, ce leurre est flottant, mais il ne faut pas le monter dans n'importe quel sens. Ici, vous avez des espèces de petits picots, et ici, vous avez des espèces de petits stries. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours monter le stries, ici, sur l'avant du leurre, parce que les petits picots, là, ils sont flottants, donc votre leurre, il va être comme ça, parce que comme cette densité est plus légère que celle-là, votre leurre, il sera en très bonne position. Si vous montez à l'inverse, ça sera moins efficace. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est mettre un petit peu de glue ici. Ça vous permet d'avoir votre leurre qui est toujours bien sur la tête, qui sera toujours aligné. C'est très important. Ça va permettre à vos leurres de durer beaucoup plus longtemps et d'éviter de se déchausser. C'est une technique finesse. Moi, j'adore utiliser les twitch assez agressifs comme ça, sur une zone précise. Donc le leurre va monter et redescendre très vite. Il va partir un peu dans tous les sens. C'est très énervant pour les poissons. Après, la deuxième technique que j'ai vraiment utilisée énormément au Québec, c'est je lance, deux petits twitch, aller au fond, deux petits twitch, je laisse aller au fond. Et là, c'est très efficace. On a souvent la touche au moment de la redescente et quand on accélère, et là, on a des grosses touches très importantes. Puis une troisième petite animation qui est sympa, c'est vraiment des tout petites saccades. Vraiment, on fait vraiment, le bout de la canne va vraiment bouger très très lentement. Et là, c'est très efficace aussi, cette technique, sur des poissons qui sont bien éduqués. Alors là, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. J'utilise 90% du temps, j'ai utilisé du matériel en médium avec un moulinet 2000. J'ai souvent utilisé soit ma canne Majorcraft 4 brins spécial voyage avec un moulinet casting. Et puis après, sinon, j'ai pêché pas mal avec des médiums de chez 13 Fishing, deux cannes qui sont des très bonnes cannes avec des très bonnes sensations. Moi, je vous conseillerais d'utiliser du medium light. Ça sera vraiment la technique et la canne la plus adaptée. Et ça vous permettra d'avoir des sensations de fou avec ce type de leurre. Et là, je vais vous laisser avec des belles images d'un très beau doré. Donc, c'est un sandre en français, un doré au Québec que j'ai fait avant mon retour en France. Poisson. Voilà, deuxième poisson, superbe. Deuxième doré, magnifique. Voilà, deuxième petit doré, superbe, au Neddy Worm. Ils sont vraiment sur ce spot. Je savais qu'il y avait quelques dorés qui traînaient. Magnifique. Allez, repars à l'eau, mon petit. Moi, je vous conseille pour monter ce leurre de mettre directement le badigne en direct avec un nœud, comme vous voulez le nœud, mais directement, pas d'agrafe, vraiment, il faut que ça soit très simple. Plus ça sera discret, mieux ça sera.
Sur ces techniques, on va rechercher principalement le black bass, en Europe, aux États-Unis, mais au Québec, on va chercher l'achigan à petite bouche et l'achigan à grande bouche. J'ai eu énormément de résultats lors de mes sessions de pêche sur l'achigan à petite bouche en 2021 et 2022. Le doré au Québec et le son en France sont très friands de ce leurre, ça marche très bien. On recherche aussi la perche et la perche chaude. Alors moi, j'en ai pas attrapé avec cette technique parce que les coins où je pêchais, il n'y avait pas forcément trop de perche chaude au Québec. Et en France, je vais aller attaquer, découvrir cette saison en 2023 avec cette technique. Et puis aussi, on peut faire du crappé de roche au Québec. Alors en France, je sais qu'il y a un endroit en France où il y a du crappé de roche. Mais au Québec, j'ai fait quelques crappés de roche avec. Je vous laisse avec des belles images. Poisson, c'est plus gros celui-là. Hein, un crappé de roche. On est de rig. Crappé de roche. Allez, repart. Voilà, super. En conclusion, cette technique, c'est une technique finesse qu'on utilise avec du matériel en medium light, voire medium. Mais moi, je vous conseille vraiment le medium light. C'est une technique pour les poissons difficiles qui sont vraiment surpêchés et on va vraiment pêcher des zones très précises. C'est pas pour faire de la prospection, c'est vraiment pour pêcher des zones précises et vous allez avoir des super résultats parce qu'en Europe et en France, c'est très peu utilisé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, je l'ai découverte il y a à peu près 2 ans quand je suis arrivé au Québec. Je me suis régalé. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao.